Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui n'était pas prévue, mais je me suis dit, en vue de certains commentaires et messages que j'ai eus, j'avais fait une vidéo, vous savez, sur la façon de renommer et de titrer ces films et mangas. Et en fait, suite à cette vidéo, j'ai eu des messages par rapport au coffret DBZ que je montrais. Voilà, comme je vous ai dit, ce coffret, pour moi, c'est la meilleure version qui existe à ce jour. Toutes versions confondues, que ce soit cassette vidéo, DVD ou autre, pour la bonne et simple raison qu'on a une version originale sous-titrée français, donc déjà rien que ça, c'est génial. On a la VF pour ceux qui préfèrent regarder en VF, bon, je pense que c'est rare, mais ça doit exister, pourquoi pas. Et surtout, ils sont non censurés. Et alors, avoir une version non censurée, c'est pour moi le top. Donc, je vais vous montrer en fait dans cette vidéo tous les coffrets, un à un. À savoir donc les deux Dragon Ball, les trois de Dragon Ball Z et les deux donc les deux coffrets des films Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Je vous montrerai pas le coffret Dragon Ball GT pour la série Dragon Ball GT, tout simplement parce que pour moi il n'y a pas lieu de la présenter. Je vous le dis clairement, j'aime pas. Pour moi c'est DB et DBZ que j'aime. Je pense que tout fan qui respecte vraiment la série dira la même chose. Je pense, attention à mon humble avis. Donc je vais vous présenter ça immédiatement. Alors, voilà, donc j'ai l'autre scène. Voilà les coffrets. Donc on commence avec ce coffret-là. Donc l'intégrale box 1 Dragon Ball 1 à 68. Ensuite l'intégrale box 2 épisode 69 à 153. On a ce coffret-là, donc Dragon Ball Z, donc c'est la saga, vous voyez, Guerrier de l'espace et Freezer. Ici, on a la saga donc des cyborgs et donc Cell, c'est marqué Cell Game, donc le jeu de Cell. Et ici, la saga Boo. Alors, deux coffrets pour Dragon Ball, trois coffrets pour Dragon Ball Z. Et ensuite, au-dessus, on a les films. Donc, je vais d'abord vous montrer, comme ça sera plus simple. Voilà, le début donc de l'intégrale des films Dragon Ball et Dragon Ball Z, enfin la première partie. Vous voyez ici, vous avez une petite capsule avec marqué 1, donc c'est pour signifier que c'est le premier coffret. Et ensuite, vous avez le deuxième coffret où il y a ici, hop là, je monte un petit peu, un petit 2. Et en fait, c'est la suite des films de Dragon Ball Z et donc Dragon Ball GT. Alors, je vais vous montrer les coffrets en détail. Je vais vous montrer ouais, les coffrets en détail. Allez, on commence avec donc le coffret Dragon Ball. Donc voilà, le coffret Dragon Ball. Hop là. Voilà. Ensuite, on va l'ouvrir. Donc le four, on va le laisser là. À l'intérieur, ça nous fait les quatre premiers DVD. Donc en fait, le gros coffret, le fourreau contenant en fait trois petits coffrets de DVD. Donc ça, c'est le premier. Donc pour les épisodes 1 à 24. Je vous montre l'autre face. Alors je vais enlever ça, ce sera plus simple. Donc on a ça. Voilà, on a ça comme ça. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier compartiment. Ensuite, de 25 à 48. Donc de 25 à 48, vous avez les DVD. De 25 à 48, comme ça. Et ensuite, ça, voilà, et ensuite la troisième partie, vous avez à nouveau les DVD, et ensuite, voilà. Voilà. Donc,
ces trois petits coffrets vont dans la première partie, donc épisode vont dans la première partie, voilà, épisode 1 à 68. Ensuite, on passe au deuxième box, donc qui est un peu plus gros. Dedans, on a de l'épisode 69 à 153. Donc vous voyez, ça fait quasiment une centaine d'épisodes, hein, 90 quoi, par là. Voilà, comme ça. Ça. Et l'arrière. Pareil. Trois fourreaux. Hop là. Alors, 69 à 98. Alors celui-là, il est un peu plus grand. Il se compose en 5 DVD. Voilà. On va faire comment, on va faire comme ça. Alors, voilà. Et de 1. Ensuite, 99 à 128. Pareil, on a 5. Hop là. Et ensuite l'arrière. Alors c'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux, hein. Franchement, faut dire ce qui est. Ils sont vraiment très beaux, bien réussis. C'est vraiment joli dans une collection de DVD. C'est vraiment des coffrets que je laisse sortis. Et c'est rare que j'en... Enfin, je laisse des coffrets sortis. J'aime bien quand tout est planqué. Voilà. On va mettre ça là. Et ensuite, la dernière partie de Dragon Ball. Voilà, en 4 DVD. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour Dragon Ball. Les deux premiers coffrets. On va maintenant passer donc au premier coffret Dragon Ball Z. Alors, là vous voyez, vous avez le dragon. C'est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous... Voilà, là vous voyez mieux comme ça. Ils sont vraiment magnifiques de toute façon ces coffrets, faut dire ce qui est. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Surtout dans la qualité du coffret, la qualité du visuel. Et surtout la qualité ensuite de bah, tout pour ce qui est visionnage. Ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose traduit en français, version originale sous-titrée, puis non censurée. C'est vraiment classe. Voilà, Goku, Gohan, Freezer. Alors, box 1, pareil. J'enlève. Tac. Alors, c'est parti. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, là, il y en a beaucoup plus. Vous voyez, il y en a 6. 6 DVD qui vont donc de l'épisode 1 à 42. Donc, en fait, c'est clair, hein, ça fait 7 épisodes par DVD. Donc, voilà. Alors là, ce qui est assez plaisant, c'est qu'en fait, derrière les DVD, je vais essayer de vous montrer sans faire de catastrophe. Vous voyez, vous avez les personnages modélisés de cette manière-là. Ça, c'est sympa. Et on va regarder maintenant l'arrière. Alors. Donc. Voilà. Voilà. Première partie du box 1. Ensuite, on passe au box 2. Alors, pareil, box 2. Ah non, ils ont mis ça comme ça.
Il y a 5 DVD. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Sauf qu'ils ont mis comme s'il y en avait un sixième là, mais en fait, il n'y en a pas. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, on voit à chaque fois les protagonistes hein, qui font partie donc, de la saison. Allez, maintenant, on va regarder derrière ce que ça donne. Voilà. Ah, je vous ai pas montré. Ouais, j'ai directement pris, pas grave. La fin. Voilà. Donc ça, c'était pas la suite. La suite, c'était ce coffret-là, normalement, si je dis pas de bêtises. Non, c'était le premier en plus. Je vous les ai montrés dans le désordre. C'est pas grave, le tout, c'est que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, pareil, 6 DVD. Donc ça fait 6, 6, 5, exactement. Voilà. On va regarder maintenant l'arrière à nouveau. En plus, ce qui est beaucoup plus logique. Donc là, Gohan. Gohan. Tac. Et voilà. Ça, c'était pour le premier coffret. Alors, deuxième coffret. Donc, de l'épisode, est-ce qu'ils le mettent ? Non. Ils disent pas de quel épisode c'est. Bon, bref, vous avez ça. Pareil, sur le devant, on retrouve... Alors, je sais pas si on va bien voir... si, là, vous verrez mieux. Voilà, comme ça. Le dragon. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et les DVD, donc trois fourreaux, celle Vegeta Trunks, et on va les ouvrir. Alors, 4 DVD. Et ensuite, on retrouve donc Trunks. Voilà. Ensuite, Vegeta. Donc là, c'est de l'épisode 118 à 145. Hop là, on met l'arrière. Donc Vegeta. Voilà. Et ensuite, celle. Donc là, on a celle. Voilà. Et pareil. Et voilà. Bon, pour la saga Cell, la saga des cyborgs et Cell, c'est fini. Et ensuite,